Yo peace tout le monde, c'est Obscuranic, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de la Obscure Clan. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un gros gameplay sur la Obscure. Ce gameplay vous a donc été réalisé par Obscure Noesis, donc une nucléaire sans visée à la NX Shadowclaw. Il était donc sur la map Breach, il va te réaliser dans le plus grand des calmes une très belle nucléaire. Au niveau de sa classe, il était donc équipé de sa NX Shadowclaw, du Tricaro qui sert à envoyer 3 flèches en un seul tir, et l'accessoire baïonnette qui lui permet de remporter plus facilement ses duels en corps à corps. Pour le code PSN du jour, nous demandons les 600 likes minimum, et dès que ce cap sera obtenu, le code sera disponible en tout début de description. Je compte vraiment sur vous pour exploser la barre des likes pour ce gameplay, et également vous abonner à sa chaîne YouTube qui sera bien sûr dans la description de la vidéo, et à le féliciter dans les commentaires ainsi que sur sa chaîne. Ce gameplay est vraiment plaisant à regarder car il n'est pas comme la plupart des gameplays défis nucléaires, c'est-à-dire qu'il ne va pas rester là à camper pendant 120 ans. Là non, au contraire, il va plutôt pas mal rusher, mais arriver à l'implacable, donc à la série de 20, il va plutôt temporiser un peu plus. Ce qui est d'ailleurs tout à fait normal car à partir de 20, il faut vraiment bien gérer ses déplacements afin de ne pas mourir et de ne pas avoir monté cette grosse série pour rien. Il était aussi en groupe de 4, il faut le préciser. GG aussi à ses alliés car ils ont vraiment fait le taf au niveau des spawns et de la cover. Ce gameplay aurait été en solo ou en groupe de 2 maximum, ça aurait été juste énorme. Mais là il est en groupe de 4 mais un gros GG tout de même. La Obscure approche à très vive allure des 15 000 abonnés. Ah oui, ça nous fait vraiment super plaisir. Ne vous inquiétez pas pour les 10 000 abonnés, un gros montage va arriver, peut-être même qu'il sera disponible d'ici le passage de ce commentary. Partagez un maximum chaque vidéo et même la chaîne à vos amis sur Twitter, Facebook et tout type de réseaux sociaux pour nous faire monter jusqu'aux 15 000 abonnés ou même encore les 20 000 abonnés. Ça serait vraiment énorme de votre part. L'Obscure a aussi conçu un tout nouveau concept, si on peut appeler ça comme ça. En effet, tous les soirs, les leaders et une grosse partie des membres, dont moi, cherchons des lives de notre communauté pour ensuite aller raid leur live pour leur préparer une petite surprise. On fait ça depuis à peu près 2 semaines et je peux vous dire qu'on rend certaines personnes vraiment très heureuses, c'est limite choquant et touchant. C'est vraiment un truc de fou, tous les membres quand ça nous arrive on parle dans le chat Obscure Clan qui se déroule sur Skype et quand on voit la réaction de certaines personnes qui crient, qui pleurent, c'est vraiment un truc de ouf et je peux vous jurer que certaines personnes se mettent vraiment à pleurer. L'Obscure ne veut vraiment pas imposer cette barrière entre guillemets entre les membres obscurs et les abonnés. Notre but est de rendre notre communauté vraiment heureuse et pas commencer à faire les shows parce que nous sommes dans l'une des plus grandes teams performance au monde de Call of Duty. Qui d'ailleurs va pas tarder à compter les 15 000 abonnés. On prend vraiment énormément de plaisir à venir sur vos lives. Parfois on passe vraiment une sale journée quand on arrive sur vos lives et que vous nous sortez des genres why à Warnix, why à Titi, voilà tous les trucs comme ça. On savait que nous étions connus mais bon pas à ce point là et on kiffe vraiment vous rendre heureux. Un tout nouveau recrutement a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Beaucoup de commentateurs ont été recrutés dont vraiment de très anciens obscuriens, voilà c'est comme ça qu'on appelle les membres de la Obscure. Comme par exemple Graphique, Carnage, etc. Ça me fait vraiment super plaisir qu'ils soient à nouveau à nos côtés. Et pour une petite information supplémentaire, la Obscure a fermé son recrutement commentateur. Mais nous recrutons encore un peu de players et après ce recrutement, ça sera le dernier avant la sortie de Infinite Warfare. Voilà les potos, c'est la fin de ce commentary, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me follow sur Twitter, il sera en description, ça me fera vraiment super plaisir. Et je vous dis à la prochaine, merci de m'avoir écouté, allez ciao bye bye, peace.